Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo sur Payday the East. Mais, par rapport à la sortie du Payday 2 qui va sortir bientôt, je voulais faire une petite vidéo du premier pour ceux qui connaîtraient pas du tout le premier. Alors, on va faire quoi comme mission? Je pensais faire la mission qui a été rajoutée là, qui avait été faite entre guillemets en collaboration avec les développeurs de Left 4 Dead. Où ça parle avec. Il y a des zombies apparemment. Et je sais plus si je l'ai fait, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à celui-là. Donc je vais jouer tout seul. Avec l'AI bien sûr. Je vais choisir Dallas en infecté. Et je vais jouer le casse. Bon, j'ai déjà mes petits trucs que j'avais avant. Donc ça c'est pas mal, c'est déjà prévu. Right. Back up. Hey. Let me in. Good day, come sir. On, unless you two plan on operating on me here, you better make room. Let's get going, okay? Bon, on va voir. On va voir un petit peu. I'm sure you had a great plan. Just didn't fucking hear it. But anyway, let's do it. Okay, you got that? Computer, blood sample, validation, and then an elevator escape. Oh, and I hope you brought your sound pistol for taking out the cameras. Come on, come on. After you've drawn your guns, you gotta destroy the security cameras within 7 seconds, or the alarm will go off. There should be 3 cameras. I'll do the countdown. Il y en a une là de caméra, donc il faut péter les caméras, hein. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Faut trouver les caméras. Attends, non, je me sens que je l'ai pas fait celle-là. Je ne m'en souviens plus. Moi, ils sont tranquillou. Bah, il y en a même ici. D'accord, il y en a une là qui va jusqu'ici. On va peut-être éviter d'aller dans son champ de vision. Ça serait peut-être malin. Salle de pause. Donc, une. Il y en a deux là-bas. Et trois là. C'est bon. C'est bon, j'ai les trois. Vous êtes prêts, les gars? Le mec, ils sont gilets pare-balles, ça fait. Lui aussi, ça fait vachement. Hein. Bon. Oh fuck. You guys shooting up the place? Everything down now. Plan B guys, go get the teddy bear. Rip it open and use the sign. Bon, tant pis hein. On va faire un peu à la bourrin. Stay down. On va les menotter un peu. Je sais pas si ça servira mais. Allez, on va l'essayer. Right, d'accord. Elle est rigolote là, si. C'est trop énorme. Il va arriver par où la police? Déjà, il y a un. Ah, mais d'accord. 214 secondes. Eh ben ils sont fous les flics hein. Moi je ferais évacuer les civils quand même. Oh fuck. Putain déjà les boucliers. Un assaut. Je vois que là. Oh
Heureusement qu'on... Enfin, heureusement. C'est dommage pour nous qu'on n'ait pas de grenade, par contre, là. Wow! On démarre la scie de temps en temps, sinon elle marche plus, parce que ça c'est des scies là. C'est des scies qui servent un peu à rien. Putain merde, ça tire de là-bas et on... Oh putain! Oh ça va. Putain, il y en a une deuxième. Qu'est-ce qui sort du plafond là? Putain, merde, je suis content de se voir. Je passe. Bon, j'ai bientôt mourir moi. Hein. Putain, comment ils peuvent y voir? Bon, vous pouvez voir que c'est pas simple, hein. Wow, putain, fuck. Qu'est-ce qu'ils ont, ils ont réussi à libérer les civils? Le mec il tombe du plafond. Combien de temps il reste? Ah c'est bon. Allez les gars. Hey whoa, come with me. Let's look for him. Oh putain. Buzzsaw in place. Oh putain, y'a un bulldozer. Oh putain de merde. Pourquoi il vient toujours m'emmerder à moi? Allez, c'est bon, j'en ai un. Allez, vas-y. Sauve-le. Putain, mais c'est quoi ces mecs là? Ils te tombent du ciel et tout. Enfin, du ciel. Du plafond. Soigne-moi parce que... Putain,
Putain, déjà. Putain, il m'a fait peur. Putain, il est vachement bien ce pistolet, hein. Moi, je l'aime bien. Magnum est pas mal, par contre le pistolet de base c'est vraiment de la merde. Ça c'est de la merde ça aussi, les ennemis ceux-là là, sont vachement pourris. C'est par là. Bon, c'est un jeu bien sympa quand même, même le premier. Il a beau quand même être enfin, le 2 a l'air quand même vraiment, vraiment quand même au-dessus. Surtout pas aussi répétitif parce que le principal des inconvénients qu'il y a dans ce jeu là c'est que il n'y a pas beaucoup de casse en fait et du coup on fait vite souvent la même chose quoi. Et c'est un petit peu chiant quoi. Oh putain! Ils sont super costauds ceux-là. Putain. Merci mon gars. Et l'AI est pas stupide hein, quand même. Hein. Enfin, même si elle fait pas les boulots comme. Comme ça. Non, par contre, je vais recharger un petit peu tout ce que j'ai parce que. J'aurais peut-être dû prendre le fusil à pompe au lieu de la mitraillette. Ça c'est bien, on peut porter 3 armes. Par contre dans le 2 on pourra plus porter 3 armes. Donc, ce pistolet je le trouve vachement bien. Il est quand même... il a un bon rapport capacité de puissance. Merde. Ça va tomber là-bas, non? D'accord. Le mec il fait la gazelle. C'est tombé là. Putain. Yes, taser down. Bon alors tu te mènes le cul toi? Presque fini. Et là il va y avoir des zombies non? Comme si ça suffisait pas. Je garantis pas que je le finisse hein aussi le casse. Hein. Vous verrez bien. Okay, it's open. It's open. Qu'est-ce qu'il faut faire dedans? On s'est mort. Merde, 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 merde. Oh fuck. Dozer, merde. C'est bon, ouf. J'espère que c'est pas un zombie. Oh putain, encore un bulldozer, mais... Allez, aidez-les là. Aide debout. Merde.
C'est bon, c'est... Merde, ils sont en prison. Oh les cons. Là, je vais mourir. Aide-moi, vite. Putain, il est violent ce... Merde, laser. Oh putain. Ça c'est du cheat là. Putain, c'est la merde. Lâche-toi, vas-y, tire. Ouais, quand on est à terre, on peut tirer pour couvrir ses collègues. Par contre, c'est cheaté parce qu'ils peuvent voir à travers la fumée. Hein. Putain. Putain, c'est le combien de bulldozers qu'on se tape là? Putain, c'est une blague. Ah, c'est bon. Putain, merde, ça y est, on est mort. On est foutu. Voilà. Et il est tendu celui-là. Hein. Il est tendu celui-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre, un dernier là pour vous montrer un petit peu, je vais vous montrer le classique. Je joue avec l'AI parce que sinon je jouerai un petit peu tout seul.